Salut tout le monde, c'est Ali. Petite vidéo de pliage de linge. Dans le fond, j'ai vu récemment le vidéo de Coup Critique qui parle de voyons, un défi. D'un donjon. Un donjon de qui se ferait pendant l'année. C'est un très beau défi. Hein? Donc 365 pièces. Un niveau par mois, donc 12 niveaux en théorie. Donc entre 28, 29 et 31 pièces par niveau. Et moi je trouve ça super séduisant. Je trouve que c'est une mosus de bonne idée. Il a déjà émis l'idée de hey, on pourra faire une station spatiale. Oui, ça, c'est super intéressant. J'aurais vraiment le goût de le faire, mais bon, vous vous doutez, moi, je n'ai pas tellement le temps de mettre ça là-dessus. Et je me demandais, est-ce que je fais quelque chose de similaire? Et franchement, c'est ça m'est séduisant. Je trouve ça vraiment, comme j'ai dit, vraiment séduisant. Puis, ben, mon idée, c'était, je vais essayer de trouver les plans d'un vaisseau de Star Wars qui va faire à peu près l'affaire, disons. Fait que, ma première idée est de faire, je dirais, un vaisseau de classe Architens. Le Architens class Command Cruiser, comme on voit dans la série Clone Wars et dans la série Rebels, et qu'on voit aussi dans en fait, c'est pas exactement, mais c'est basé sur le Architens dans Mandalorian saison 2. C'est juste un Architens un peu plus gros, puis genre fait complètement différent. Est un croiseur léger impérial qui dans le fond et on pourrait dire l'étape en dessous d'un Star Destroyer, en fait, même plusieurs niveaux de Star Destroyer, comme justement, normalement, il est censé avoir le Star Destroyer de classe Victory, il y a les anciens Star Destroyer de classe Venator, et plein d'autres types de vaisseaux, les croiseurs de classe Strike, etc., etc. Moi, je me disais, je pense que probablement, ça serait la meilleure solution. En fait, réellement, faire un Strike serait une mosuse de bonne idée, parce que genre, à l'intérieur, on n'a pas vraiment d'idée de comment c'est fait, puis je pourrais bien faire ce que je voudrais. L'affaire, c'est que je pense que ça serait, dans un sens, peut-être un petit peu plus facile de faire un Architens pareil. Puis en fait, c'est surtout c'est de ça que j'ai envie de faire. C'est surtout. Parce que ben il n'y a pas vraiment de plan intérieur d'un Architens. Les plans qui existent sont extrêmement pas bien faits, mais tu sais, genre, je pense que ce serait plus facile à faire. Le problème, c'est que d'un, je veux surtout pas me lancer dans un 365 jours. OK? Ça, on oublie le projet. Par contre, un 12 mois pourra être intéressant. Puis faire un Architens de 12 niveaux, c'est réaliste. Fait que donc, si j'y vais d'un
à chaque mois, je ferais un semblant de plan, ça aurait de l'allure. La question, c'est est-ce que je peux y arriver? Bon, probablement, mais je pense que j'ai tellement de choses à faire cette année. 2023, ça va être une grosse, grosse année déjà. Je vais m'épuiser, je suis déjà épuisé, là, genre, je suis en break puis je suis content. Là. Fait que je vais analyser la question. Est-ce que je fais, est-ce que je me pose? Si ça se fait comme je le pense, ben je vais faire genre une douzaine de vidéos, un par mois. Où est-ce que je vais montrer mon avancement dans le projet? La première étape va être de faire des plans. Ben, c'est sûr, ça me prendrait quasiment un graphiste parce que moi, je suis vraiment pas bon là-dedans. Fait que, ça voudrait dire aussi, première des choses, d'apprendre à faire du Photoshop comme du monde, ou en tout cas, au moins, me donner un coup de pied dans le cul. Hein. Je devrais être capable de me débrouiller, mais tu sais, je suis pas bon là-dedans. Fait que je vais voir à ça. C'est une étude, ok? J'en parle parce que j'aimerais ça le faire, mais en même temps, j'ai tellement de choses. Demander peut-être qu'est-ce que j'ai tant de choses à faire que ça, ben, à commencer que déjà pendant janvier, faut que je pense à deux choses qui s'en viennent. Premièrement, c'est la déchicone. Bon, techniquement parlant, Draconis va arriver avant la déchicone, il me semble, parce que Draconis c'est au début mars, tandis que la déchicone c'est à la fin mars. C'est deux grosses affaires parce que, bon, Draconis, ben, je veux faire une game. Bon, elle est pas mal prête, là, mais je veux dire, est-ce que je fais autre chose? Probablement que je vais juste faire une game. Faudrait que je m'inscrive d'ailleurs. Puis, qui plus est, c'est une game qui va probablement être à chasse gardée. Fait que, faut juste que je retrouve mes joueurs. J'en ai déjà un. Ben, en fait, j'en ai déjà deux. Mais, y en... les autres joueurs, faut que je retrouve. Je sais à peu près leur nom dans Warhorn, faut juste que je reprenne contact avec eux autres. Pour leur demander, bon, c'est quoi vos noms là-dedans, comment est-ce qu'on s'organise, puis ben, c'est ça. Tu sais, je vais voir à ça. Est-ce que je fais une autre game pendant Draconis en ligne? C'est une question faut que je me pose parce que l'affaire avec les Draconis en ligne, c'est oui, c'est bien le fun, là, mais je suis à la maison. Fait que j'ai d'autres tâches à gérer. T'sais. Fait que t'sais, pour moi, c'est juste une fois que ça m'aime plus occupé. Fait que c'est ça. Il y a part de ça. Ben là, j'ai mes games au mois que je fais tellement pas souvent qu'il faut que je me pose la question est-ce que j'y continue. Je voudrais continuer, mais tu sais, il manque souvent du monde, etc. Fait que genre, je suis en train de me questionner là-dessus. Parce que genre, ces derniers temps, on l'a eu vraiment difficile, puis on se pose des questions, on s'en devra pas. Se reposer plus, puis moins faire d'affaires. J'ai mon Ghostbuster qui commence à prendre du temps. Mais ça, c'est parce que je veux le faire. Ça, c'est sûr. Je suis en train de démarrer ma future chaîne Ghostbuster, de famille Ghostbuster. Fait que donc, je vais rebrander la chaîne actuelle en Ali RPG. Je sais pas exactement si je vais avoir ce nom précisé là ou si ça va être un autre genre de nom. Ça c'est des trucs que je vais penser. Mais je vais envoyer le Ghostbuster. Je vais enlever le Ghostbuster Tech. Puis à mes vidéos de Ghostbuster que j'ai faites jusqu'à date dans cette chaîne-là, je vais faire un beau message comme quoi que ben. Tout est transféré, tout le Ghostbusters s'en va ailleurs. Fait que donc, qui s'inscrive à cette future chaîne-là va être en français et en anglais. Mes Twitch que je vais faire de Ghostbusters, je vais les,
Je vais les faire, je vais les enregistrer sur cette chaîne YouTube-là. Je n'ai pas encore pensé à des horaires de Twitch. Mon équipement Twitch n'est même pas vraiment 100% prêt. Je vais travailler là-dessus les prochains jours pour Ghostbuster. C'est pas un équipement que je peux faire du Twitching de jeu de rôle tant que ça là-dessus. Fait que si je fais un Twitching de jeu de rôle, ça va juste. Ok. Je vais peut-être faire de quoi, mais. Je sais pas encore. Je suis en questionnement. C'est encore tout de l'inconnu puis du. On va voir de quoi ça va s'en aller. J'ai pas l'intention de me sacrer dans des. Dans des situations qui n'ont pas d'allure, avec un horaire qu'il faut absolument que je respecte. Là. Je vais faire les choses quand je vais avoir le temps, puis je vais essayer de m'organiser de façon à ce que j'avertis le monde en avance. C'est un peu ça. Fait que donc, on va revenir au truc de coup critique. Il prévoit faire des stations spatiales. Alors, c'est quelque chose que. Donc, le résultat de ça, si d'autres gens embarquent et font des stations spatiales, ben croyez bien que vous avez un acheteur de ma part. Je vais être bien intéressé si vous réussissez à faire de quoi de ça. Pour ce qui est de mon plan, bon, alors, si ça se concrétise. J'ai déjà commencé à faire une petite recherche mineure sur des plans justement d'un Arc Dance. Et ben j'ai pas trouvé grand chose. Peut-être un ou de quoi faire peut-être un, deux, trois niveaux. Je risque de faire une. Tu sais, genre les niveaux du haut risquent d'être. Le premier niveau risque d'être un niveau de. Voyons. De maintenance, tu sais, le niveau du haut du vaisseau va être un niveau de maintenance parce que genre, tu sais, ça va être juste au-dessus de la passerelle, fait que donc il va y avoir des de l'électronique, de l'informatique, des Jeffrey Tubes, si je pourrais appeler ça très Star Trek-like, des tunnels de maintenance, devrais-je dire, des contrôles pour des senseurs, parce que si je me base sur un Star Destroyer, la passerelle est faite genre avec ce dessus a des déflecteurs et des senseurs. Fait que donc, je pense que c'est surtout les communications, là, mais bref. Fait que donc, ça, contrôle d'antenne, ça prend la même. Fait que donc, je vais falloir que je regarde ça. Fait que ça se peut que ce soit un niveau de ça, donc relativement facile à faire. Ensuite, le deuxième niveau, donc pour février, ça serait la passerelle. Troisième niveau serait probablement un upper deck, plutôt un mid deck pour la bouche de passerelle, puis peut-être genre. Ou deux petits détails, je sais pas trop, je verrai. Après ça, le troisième niveau pour Mars, là on commencerait pour un upper deck de général du vaisseau. Donc, encore une fois, probablement un niveau mécanique. Après ça, un niveau principal du général du vaisseau. Fait que ça, donc, ça irait en un gros mot pour avril. Après ça, ça serait encore ça, genre au moins, il y en aurait au moins 5 niveaux de général. Puis après ça, des sous-niveaux. Puis les derniers mots, ben, ça serait genre certains endroits, genre l'ingénierie, les affaires en même. Je sais pas si, justement, c'est ça, je suis même pas sûr qu'un Arcutan, ça fait 12 niveaux. Probablement, ça en fait moins, puis que j'en ai. Ça se peut aussi que je change l'affaire, tu sais. Donc, au début, ça va être de trouver des plans qui ont à peu près de l'allure, ou genre,
comment faire des plans. Fait que peut-être que je ferai rien qu'une vidéo de bon, ok, voici comment j'ai. Aussi que je suis rendu. Ainsi de suite. Puis par rapport aux. Aux pièces. Ah, ça risque d'être les derniers mois. Ok, bon, ces pièces-là, qu'est-ce que ça va être? Il y a beaucoup de pièces que ça va être genre, ok, ben, il y a de la mécanique là-dedans. Ou, mais c'est un plan. Hein? C'est rien qu'un, qu'une idée. Je sais même pas si je vais le faire. Je sais. Souvent, c'est un genre de plan. comme on dit. Tu fais une résolution, puis au final, genre, elle ne tient pas dans l'année. C'est pas impossible que ça retourne de même. Mais bon, c'est un plan que je trouve intéressant. T'sais. C'est déjà un concept que j'aime vraiment beaucoup. Si j'aurais pas déjà 12 vies à vivre en même temps, probablement que je me lancerais dans quelque chose de même. Mais voilà, j'ai 12 vies à vivre, puis il y en a plusieurs de ces vies-là que je vis pas beaucoup. Fait que. C'est un peu ça, malheureusement, mais ma petite vie, hein, c'est un gars super occupé qui essaye de faire ce qu'il peut. J'admire François qui a plus qu'une job, et dont une de ses jobs, c'est de faire du jeu de rôle. Moi, le jeu de rôle, c'est uniquement du divertissement, puis je veux dire, quand même, avec l'énergie que je mets là-dedans, ça devient presque un job. Mais au moins, c'est un job que j'aime faire. Ces derniers temps, attendez les fêtes, je dois dire que je joue game, mais pas tout. Et ça me fait solidement chier. Tout ce que j'avais essayé d'organiser comme game, malheureusement, ça n'a pas marché. Tout le monde est trop occupé. C'est bien la première année que ça m'arrive, ça. Fait que c'est un retour en. Ben, la semaine prochaine, dans le sens, là, parce que là, on est. Alors, la date que je vous parle, on est le 30. Demain, on est le 31. Là, ce que j'espère avoir dans quelques prochains jours, c'est le temps de gamer en termes de jeux vidéo. Parce que j'ai pas gamé, ça fait des mois que j'ai pas gamé. Je me suis même emprunté un jeu vidéo à bibliothèque. Je sais même pas si je vais avoir le temps de jouer. Mais c'est parce que le jeu va être super intéressant, c'est Horizon Zero Dawn. Puis, ben, c'est ça. Au début, j'étais censé aller chez mes parents. Normalement, je serais censé être chez mon père à l'heure qui. Mais malheureusement, la petite est tombée malade et la météo s'annonce horrible dans leur coin. Genre verglas puis tout le tralala là. Puis hier, avant qu'on était censé partir, il y avait une tempête de neige. Fait que. On s'est dit non. Et l'autre affaire qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on était mais épuisé avec un E majuscule. La preuve, c'est que je me suis couché à 9h hier soir et que je me suis réveillé à 10h à matin. Fait que j'ai dormi 13h. Puis encore là, j'ai fait la grosse matinée jusqu'à au moins 10h30 facile. Fait que j'étais mais solidement fatigué. Et c'est ça, je. C'est ça, fait que, ben, une grosse nuit de même de 13 heures, une bonne douche, puis ben, c'est ça, ça fait du bien, ça ressuscite son âme. À part de ça, dernière vidéo que j'ai faite a ramené plusieurs messages que je trouve. Drôle et peut-être sous certains points de vue grincement dedans. C'est ça, en tout cas. Bref, ma fille m'a clairement montré son avis. J'étais un peu puzzled de tout ça. Mais bon, ok, alors. C'est un enfant, elle m'a dit ce qu'elle veut. Ben, en tant que maître de jeu, ben, je vais rouler dans sa direction, t'sais.
même direction qu'elle. J'ai pas encore rejoué avec elle parce que ben là, elle a d'autres. Elle joue avec ses cadeaux, c'est le temps des fêtes. Fait que on va revoir ça en 2023. À moins que vraiment elle s'emmerde trop et elle me dit ouais, papa, je veux jouer. OK. Mais là, pour l'instant, c'est ça. Je me concentre plus sur, sur moi-même parce que ben justement. Je suis tellement à bout de tout que j'en fous bien que je me repose un peu. Fait que c'est pas mal ça. Et j'ai pas mal fini le pliage de linge. C'est vrai, j'ai oublié que ma fille m'avait amené une belle tasse de thé. Tout bon, délicieux. Fait que là-dessus, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye!